Après plus passé 8 heures de discussion dans la deuxième phase, ça y aurait les dialogues entre Haïtiens et Haïtiens. 23 représentants partis politiques, yo, plus yon délégation exécutif là, qui te gen en tête li président Michel Martelly, rive joignent yon entente à Swemadia bien tard pour mettre en tête pays à yon gouvernement ouverti. C'est cardinal Désiré Chibli Langlois, médiateur numéro 1 en Chita Tandéa, qui annonçait nouvelle là pendant l'étape mettait un point final dans premier journée travail deuxième phase dialogue politique là dans hôtel El Rancho Pétionville. Gouvernement ouvertia kap gen la dan plusieurs nouveaux membres avec toujours premier ministre Lamotte à la tête li va gagner pour rétablir confiance et puis tout créer conditions nécessaires pour bon déroulement élection yo. C'est ça président conférence épiscopale l'a précisé, mais li pas t'expliquer comment ça pral fait ni qui l'est. Sous question amendement constitution, deux partis ont tombé d'accord pour sa fête toujours d'après cardinal Langlois. Yo décidé dans sens ça créer une commission qui pour accompagner processus amendement sans pas gagne aucune précision sur objectif amendement. Explication monseigneur Chibli Langlois dans micro Rodrigue Lalanne avec Jean-Joseph Nono. Jodi a nous commencé deuxième phase dialogue. Et dans séance travail nous t'ai fait pendant journée ça. C'est séance travail côté nous t'ai dialoguer sur thème gouvernance. Et dans le dialogue qui fait entre partis politiques avec l'exécutif là, nous avons réfléchi sur un pile sous thème, sous question gouvernance là, donc pour conduite de l'action gouvernementale, séparation pouvoir, garantie judiciaire, respect mandat, décentralisation et puis avec indépendance et souveraineté nationale. Sous ça qui garde conduite de l'action gouvernementale, après un pile échange et après nous avons fait deux travail en atelier, nous avons que le consensus qui était gagné entre les partis politiques dans 8 jours de travail qui ont été faits la semaine passée, c'est fait que nous sommes arrivés à la modification. C'est mettre en place un gouvernement d'ouverture qui est capable d'inspirer confiance et puis créer les conditions nécessaires pour réaliser l'élection libre, honnête et démocratique. Mais décision ça a gagné quelques partis politiques qui ont fait réserve sous lui. Dans journée, nous continuons avec séparation pouvoir. Nous devons que l'Assemblée a été tombée d'accord sur le respect qui doit gagner dans l'indépendance pouvoir, le respect dans l'indépendance institution, le respect sur la question de l'indépendance juridiction qui gagnait dans différentes institutions. Et gagnait tout publication qui doit être faite sous affaire loi qui votée dans le Parlement. Une fois que délai que le président de la République a gagné pour faire objection sous question loi ça à toute résolution. Troisième sous-thème, c'est garantie judiciaire. Et sous question ça, il y a une entente qui fait consensus qui joint ensemble avec les partis politiques qui présent dans l'assise et puis avec l'exécutif. Je crois que dans l'entente, je crois qu'il faut que vous allez chita sous question. Et problème qui posait sous affaire frère Floristalio avec tout le monde qui est dans la même condition, il faut aller exécutif la promettre qu'il va le chita sous le problème ça pour y réfléchir sur ça. Il prend acte de problème ça qui posait dans l'Assemblée. Ensuite, nous entendons un consensus sur question activation. Processus résolution problème toute détention préventive prolongée.
et puis régulation Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. L'autre sous-thème qui nous a gagné, c'est respect du cycle des mandats. Dans ce sous-thème, ça, tout le monde est d'accord pour l'organisation élection dans un délai que la Constitution avec loi mandée pour sa fête dans le pays. C'était seulement ça qui était dans ce sous-thème. Ça. L'autre sous-thème nous a gagné, c'était décentralisation. Et dans ce sous-thème, ça, nous avons gagné un pile point qui était abordé. Et dans papa mi boyo, c'est mettre en place et renforcer institutions décentralisées. Réalisation élections locales, réalisation élections indirectes immédiates après les élections locales. Ensuite, mise en place d'un cadre juridique opérationnel. Et puis c'est saisir problème qui lié à collectivité territoriale dans une démarche qui est plus large. Et qui mettait ensemble tout secteur qui concernait. C'est création de tout un institut qui accompagnait collectivités territoriales une façon pour capable mettre en place administration publique communale avec section communale. L'autre thème que nous avons gagné pour journée ça, c'est indépendance et souveraineté nationale. Et dans ce thème ça, nous avons un consensus sur le retrait ordonné des troupes de la MINISTA. Augmentation effective de la police nationale. Création d'un système d'intelligence nationale. Redéfinition des termes de la coopération internationale. Ensuite, repositionnement d'Haïti sur la scène internationale. Renforcement du mécanisme de perception des taxes. C'est renforcer tout parti politique. Ensuite, voter loi qui concernait fonctionnement ONG. Mais nous pas seulement aborder thème gouvernance. Nous avons abordé tout thème constitution.